Bonjour, c'est pour ChichTV. Vous pouvez vous présenter, Chichement ? Chichement ? Eh ben bonjour, moi je m'appelle Éric Darmagnac, donc je suis luthier, je participe au Salon de la Belle Guitare de Montrouge cette année encore pour la, je ne sais plus, peut-être la 7-8e fois maintenant. Vous fabriquez combien de guitares à peu près par an ? Alors moi je fabrique une dizaine de guitares dans l'année, donc voilà, je mets en gros un mois pour fabriquer une guitare. Tout est fait en bois massif, il n'y a pas de plastique, il y a pas de... Voilà, toutes les pièces sont usinées par mes soins dans mon atelier, je travaille tout seul. Et donc voilà, j'ai pas une grosse production, mais voilà, je préfère mettre en valeur la qualité, prendre mon temps pour faire des beaux instruments, plutôt de tomber un peu dans la répétition et de baisser forcément au niveau de la qualité. Quoi. Alors on vient d'assister à un essai d'une de vos guitares, vous pouvez nous en parler de cette guitare ? Ben, cette guitare, c'est donc une guitare de type OM, qui s'appelle l'OM Spirit, que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, je les ai amenées sur le salon pour la première fois. Et ben, c'est des guitares qui ont... Alors celle-ci particulièrement, elle est en ébène africain avec une table en cèdre. Voilà, donc un bois assez, assez joli. Et ben, écoutez, y a, je sais pas, il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine de personnes qui ont essayé les guitares sur le salon depuis 3 jours. Et donc je vois qu'il y a un réel intérêt pour ce genre de guitare et de format. Donc voilà, il y a plusieurs personnes intéressées. Donc voilà, il faut continuer à faire essayer pour que les gens se rendent compte que avoir une bonne guitare de luthier comme ce genre de guitare, ça coûte moins cher qu'une une bonne Martine. Et ça sonne mieux. Donc il faut dire aux gens aussi que voilà, il faut qu'ils essayent des guitares de luthier pour comprendre la différence qu'il peut y avoir entre une guitare d'usine et une guitare artisanale. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui veulent qu'il y ait marqué Gibson ou Martin sur le haut de la tête. Mais au niveau qualité et rapport qualité-prix, une bonne guitare de luthier et une guitare d'usine, il n'y a pas photo. Et le prix est moins cher. Vous êtes dans quelle région ? En Charente. Moi, je suis en Charente, du côté de Saint-Jean-d'Angély. Ok, d'accord. Et on peut trouver votre site sur Internet ? On peut trouver mon site sur Internet facilement. Sinon, moi, c'est les guitares d'Armagnac, donc Éric d'Armagnac. Il y a toutes les infos ici. Ok. Numéro de téléphone, Facebook, Instagram, j'imagine. Okay. Il y a un peu de tout, quoi. Bah, je vous remercie. Bah, avec je plaisir. Vous souhaite une bonne fin de salon. Et bah, moi, je vous souhaite une ch'ti bonne fin de journée. Non, une chiche fin de journée. Une chiche fin de journée, voilà. Merci, à au revoir. Tard. Au revoir. Bonjour, c'est pour ChichTV. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Chichement ? Bonjour, ChichTV. Je suis Alexandre. Je suis associé chez Echo d'Artiste. Notre atelier de lutherie est à Fronton. Et comme tous les ans, ben, nous venons ici à Montrouge pour exposer nos créations. Et également, cette année, nous avons le centre de formation qui expose à l'étage. Fronton, c'est vers le 31, ça ? C'est en Haute-Garonne, entre Toulouse et Montauban. Ok, d'accord. C'est un coin qui est connu pour ses qualités viticoles. Okay. Et donc voilà, on fait du vin à Fronton et on fait aussi des guitares. Okay. Alors, vous êtes combien dans votre atelier ? Alors, on est quand même une belle petite équipe. On est 3 associés et on a ensuite 3 personnes qui collaborent avec nous. Au secrétariat pour aussi gérer le centre de formation et à la fabrication, nous avons Francis et Ludo qui nous aident à faire ces belles guitares. Ah, donc vous avez un centre de formation aussi ? Voilà, oui. On a un cursus long qui est étalé sur 10 mois, mais en réalité c'est 2 fois 4 mois où les gens viennent se former à la lutherie. D'ailleurs, la formation s'appelle Artisan Luthier.
et on leur apprend finalement tout ce qui nous a été utile pour devenir luthier et avoir l'atelier qu'on a aujourd'hui. Pour les gens qui voudraient aller à la formation, ils peuvent trouver sur internet un site ou... Ah oui, on est répertorié sur les sites de formation professionnelle. Ils peuvent aussi nous contacter. Le nom, c'est Echo d'Artiste Academy. Ok, d'accord. Et on n'a aucun souci pour nous trouver. On peut donner tous les renseignements. Après, dans la création de guitare, c'est vous qui faites les designs, etc. Oui, tout est fait par nous, effectivement. Alors, évidemment, on part d'une idée qui est déjà existante et après, on essaye de la faire évoluer. On sait quelle direction est-ce qu'on voudrait prendre. Et c'est là où on va appliquer notre expertise et toutes les qualités que l'on a de fabricant d'instruments de musique pour optimiser et toujours amener une plus-value sur l'instrument, que ce soit esthétique ou acoustique, mais plus souvent les deux. Vous vendez environ combien de guitares par an ? Alors, j'aurais du mal à répondre, mais c'est vraiment une petite quantité. Une petite quantité. On fait entre 15 et 20 guitares par an. Ouais. Et voilà, on prend bien le soin de fabriquer. On est artisan, hein, donc on fait pas de l'industriel, on ne sort pas plusieurs centaines de guitares par an. Et on met un point d'honneur à ce que nos guitares soient vraiment d'une qualité exceptionnelle. Alors, vous avez des guitaristes connus qui jouent sur vos guitares ? En effet, c'est vrai. Ben, après, ça s'est fait avec le temps et les connaissances. Ben, tout a démarré avec Angelo Debar, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un virtuose mondialement connu dans le jazz manouche. Ouais. Et qui a flashé sur nos guitares Archtop. Donc on a collaboré sur ces instruments et après, de fil en aiguille, on a rencontré aussi David Reinhardt, qui est un guitariste exceptionnel, qui a beaucoup aimé aussi les guitares acoustiques et les guitares de jazz manouche. Oui. Et bien évidemment, tout ça, ça a provoqué la rencontre avec notre ami Thomas Dutronc, qui a un gros coup de cœur sur nos guitares acoustiques. Et d'ailleurs, ici, nous avons le modèle signature Thomas Dutronc. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de ce modèle ? Quels sont les bois utilisés ? Quelles manches ? Quelles touches ? Ouais. Alors, c'est quand même notre modèle phare en termes de guitare acoustique avec les ouvertures décentrées et le retour sur éclisse. Ce modèle a une table en épicéa et un dos et éclisse en palissandre indien. On peut voir aussi un manche en érable ondé, qui est en 5 parties si on compte effectivement les fileteries en ébène. Et donc voilà, il a essayé cette guitare, il a eu un coup de cœur. Maintenant, qu'est-ce qui a créé le coup de cœur ? Ben, c'est un petit peu le retour sur éclisse aussi, ouais, qui est toujours la surprise, mais on a travaillé l'acoustique de cette guitare pour qu'il soit vraiment équilibré. Mais il y a quand même le wow factor, si on peut dire, dans le sens où on ne s'attend pas à ce que la guitare soit aussi profonde dans le son et que les fréquences soient aussi musicales. Donc on a des grosses basses, on en prend plein la poire, mais évidemment, ce qui est flagrant sur ce type de guitare, c'est vraiment la richesse des basses et les aigus qui sont très détaillés, très précis, le son est défini. Mais moi, je trouve que la meilleure qualité, c'est les médiums, ce qui fait que la guitare a aucun mal à percer le mix dans un ensemble musical. Et en enregistrement, c'est du régal, on ne se prend pas la tête pendant 2 heures pour trouver un bon emplacement de micro. Mais surtout qu'avec ce retour sur éclisse, on a vraiment des sensations nouvelles qui sont très inspirantes et deux notes prennent une dimension toute... Ça fait peut-être un léger effet stéréo, non ? Alors, stéréo, relief, non. On peut dire relief ? Mais non, mais... Ce qui provoque cet effet, c'est vraiment la profondeur du son et la connexion que l'on a avec la guitare. T'es plongé au cœur de ton instrument. Tu as le son qui t'arrive en pleine face comme ça, on n'est pas habitué à l'avoir. Mais ça arrive aussi parce qu'on a aussi travaillé tout l'emplacement des barrages pour justement rediriger le son, entre guillemets, mais avoir cette richesse harmonique. Mais le fait de déplacer les ouvertures nous permet aussi d'avoir une plus grande plage de jeu pour le placement des barrages et donc définir un petit peu le son de la guitare et travailler les flexions. Alors c'est quel type de barrage ? Alors là on a des barrages en X, hein. On a un double X au niveau du chevalet et un autre X en renforcement. Ah, il y a deux X. Ouais, voilà. Et un autre X en renforcement au niveau de là où il y aurait une rosace si c'était normal, pour éviter aussi les affaissements de table. Et on fait des tests de flexion sur les dos et les tables
pour homogénéiser la qualité de fabrication. C'est-à-dire que les qualités acoustiques qu'on va retrouver sur cette guitare, on les aura sur une autre. Donc on aura toujours ces beaux graves, on aura ces aigus définis, des beaux médiums, mais la qualité tonale différera d'une guitare à l'autre, de par la nature des essences du manche, et évidemment du dos et des éclisses. Est-ce qu'on peut retrouver un site sur internet pour... Oui, il y a echodartiste.com. Alors echo, echodartiste.com. Voilà. Bah, je te remercie, puis bonne fin de salon alors. Eh bien merci beaucoup et merci d'être venu. Avec plaisir. Bientôt et à l'an prochain. Au revoir. C'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter, Chichemon ? Alors, je suis de Loire-Atlantique, mon nom c'est Philippe Fournier, je fabrique les guitares E.T. Blues. J'ai commencé par faire des guitares box. En fait, j'ai poussé, j'ai bien aimé le concept de la cigar box et j'ai développé ça en incluant un crossroad dans les manches, en faisant un manche conducteur et surtout avec une table faite avec des plaques d'immatriculation de voitures américaines, ce qui permet d'avoir un son qui se rapproche du dobro électrifié. Sachant que la plaque a son influence au niveau du son, si on prend une plaque ancienne, elle va être en fer, et si on prend une plaque récente, elle va être en aluminium, donc elle donnera plus de vibrations, plus de twang en fait. Et c'est un manche conducteur avec radius 12, c'est fait pour être fiable quoi. Là-dessus, j'ai développé mes micros parce que je trouvais pas de micro adapté pour les 4 cordes. Donc j'ai commencé à fabriquer mes micros comme ça, en me basant sur la fabrication des P90 ou des micros Fender, simple bobinage. Et depuis, j'ai commencé à faire des 6 cordes en gardant un peu le même principe, c'est-à-dire manche conducteur, manche traversant donc, et en fait les ailes c'est de la décoration, c'est plus pour la position de jeu, pour l'électronique dans les ailes aussi peut-être. Je me suis basé un peu sur l'idée de la poutre de The Log de Les Paul, et en fait c'est évident qu'au niveau du sustain, au niveau de la propagation des sons, des cordes quand elles sont jouées, la corde est attachée sur le même morceau de bois. Donc il n'y a pas de. Il risque pas d'avoir d'interférence en fait, de coupure. Ça permet aussi de diminuer, de réduire l'épaisseur de la guitare. Puisqu'on a plus de talons, on n'a pas la fragilité qu'il peut y avoir par exemple sur les SG, parce que la caisse est très fine, donc il y a quand même un point de fragilité au raccord entre le manche et le corps, que là on n'a plus, puisque le manche est traversant, tout est collé, et ça permet de plus avoir de talons, donc un super accès sur les aigus. Vous fabriquez à peu près combien d'instruments par an ? Pas beaucoup, parce que en fait je travaille vraiment à la main. J'ai plus l'âge de me lancer dans la commande numérique, parce que je mettrais trop de temps à comprendre comment ça fonctionne. Donc moi je suis ébéniste, restaurateur de métier, et en plus il faut que je touche le bois. Par exemple les manches, je dégrossis, mais après c'est à la râpe, au racloir, et c'est moi qui décide, je suis musicien, et j'ai pas un manche qui va être, si on prend tous les paramètres, il n'y en a pas un qui est pareil, mais moi c'est ce que j'aime en fait. On peut demander par exemple un manche plus en C ou plus en... Bien sûr, bien sûr. Okay. Moi j'aime bien les manches un peu plats, donc pour moi c'est plus un D flat, quoi, un ovale écrasé, mais bien sûr. Pas de problème. Vous êtes dans quelle région ? Je suis entre Nantes et Angers, à côté d'Ancenis, en Loire-Atlantique. Voilà.
Y a-t-il un site internet sur lequel on peut vous... Alors il faut aller voir sur le net, c'est E.T. Blues, E.T. parce que c'est un peu des guitares d'extraterrestres, E.T.blues. Ma secrétaire est partie, donc ouais. Mais si vous faites E.T. Blues sur Facebook, après il y, y a les liens pour aller sur le site. C'est pareil au niveau des bois que j'utilise, étant donné que j'étais restaurateur de meubles anciens pendant 40 ans, j'avais pas mal de stock de bois anciens et je m'en sers pour la fabrication de mes guitares. Il y a de l'acajou, Il y a de l'acajou, il y a du noyer, l'acajou c'est les panneaux d'acajou sur les Sinline, c'est des bois de lit 19e, donc au moins il est sec, on est tranquille. Les noyers c'est pareil, ça permet de recycler aussi un peu le... Les touches c'est quoi comme bois ? Eh ben les touches, là j'ai quasiment fini mon stock de bois de récup, parce que j'avais des vieux palissandres, j'avais de l'ébène de Macassar, mais j'arrive au bout, donc maintenant on va passer dans ce qu'on trouve un peu dans le commerce, c'est-à-dire des pavots ferraux, de l'ébène, au choix. J'ai testé aussi le bambou par exemple. Qui est très intéressant au niveau du son, par contre qui n'est pas du tout intéressant au niveau du travail parce que c'est très raide. Les matériaux nouveaux comme le micarta par exemple. J'ai pas testé pour le moment. Encore ? Non, j'ai pas testé pour le moment. Okay. Le Rich Light, tous ces trucs-là. Ouais, je préfère quand même. Enfin, bon, c'est peut-être idiot, mais. Moi j'ai une Martin, ouais. Une D16GT. La touche elle est en micarta. Et c'est très bien. Ça me va. Ouais. Donc faut essayer quoi. Ouais, après il y a des gens, c'est subjectif. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est sûr, hein. Après il y a un truc dans la tête. Et puis au niveau des décors, c'est pareil, je fais des choses avec le passif que j'avais en restaurateur de meubles anciens. Me permet de faire des choses comme la guitare qu'on a ici, c'est de la... Oui, voilà. Vas-y, expliquez-nous. En fait, c'est de la feuille de cuivre oxydée. C'est pas moi qui fais l'oxydation. J'achète ça comme ça, c'est une boîte en Allemagne qui fait ça. Et en fait, ça se pose exactement comme les feuilles d'or ou les feuilles d'argent au 19e. C'est comme de la dorure à la mixtion, en fait. Ah ouais. Ouais, je fais ça exactement pareil. Par contre, après, il y a un bon nombre de couches de vernis pour la solidité, quoi. Pour pas que ça soit fragile. Et ça coûte combien à peu près un instrument comme celui-là ? Celle-ci, elle est à 4 200 €. Okay. Donc tous les manches sont traversants. En fait, tout ce que j'avais mis au point pour les 4 cordes, c'est pareil, au début je faisais des 6 os, et puis je suis passé à la fret 0, parce que je trouve que c'est plus pratique, qu'on n'a pas le son des cordes à vide, ça fait tout de suite comme si c'était fretté. On explique pour les gens, la fret 0, c'est la première fret qui se trouve... Voilà, qui se faisait beaucoup, Jacobacci par exemple a toujours utilisé les fret 0. Moi j'ai fait mon petit système de peigne qui tient juste l'écartement des cordes, et au niveau de la lutherie, c'est quand même assez confortable parce que si on fait un scié en os, on met un petit coup de lime de trop, c'est foutu quoi. Ouais. Alors que là, au niveau action de tête, on est tout de suite au top puisque les cordes posent sur la frette. Et donc, je vais rebondir sur Jacobacci. Il me semble que ça a été les premiers à faire des manches en aluminium. Alors là. Il me semble, hein. Je ne sais pas. Parce que vous n'avez pas testé de faire des manches en aluminium ? Ah non, je fais les repères de touches en aluminium. Parce que vu que j'ai de l'aluminium sur la petite plaque de tête et puis le peigne justement la petite plaque de la sortie de jack quoi. Voilà. J'ai de l'aluminium, donc pour rappeler l'aluminium, je fais mes repères de touches en alu. Tous les micros, ils sont bobinés à l'atelier. Okay. Ça m'a permis de tester des mélanges de... J'aime bien les micros simples bobinage. Donc les P90, vous disiez. Voilà, les P90, les micros Fender. Ouais. Et sur la même guitare, je peux mélanger un P90 avec un micro Fender. Ouais. Étant donné que c'est moi qui fais le bobinage, je gère l'impédance de chaque micro pour pas qu'il y en ait un qui soit vraiment au-dessus de l'autre. Quoi. Ouais.
Donc, et puis j'aime bien, ça me permet de choisir mes aimants, ça me permet de, voilà, je vais au bout de mon truc. Quoi. Bah, toute une expérience, toi, toute une vie d'expérience, quoi. Voilà. Okay. Voilà. Bah, écoutez, bah, je vous remercie, je vous souhaite un bon salon. C'est moi. Et on rappelle le nom. Ah, le nom, c'est les guitares E.T. Blues, E.T. Blues, les guitares E.T. Blues, voilà. Blues, quoi. Voilà. Okay. Les guitares merci. D'extraterrestres. Okay. Bah, merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. C'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter Chichement ? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Malcolm Rosado, je suis le luthier derrière Rosado Instruments et voilà mes guitares. Je fabrique des archtop acoustiques, c'est-à-dire des guitares dans la tradition des violons sculptés de grosses plaques massives qui sont après sculptées par l'extérieur et puis l'intérieur. Je privilégie la résonance acoustique des instruments, mais il y a moyen aussi de les électrifier. Et on part sur un instrument qui a beaucoup de projection, beaucoup de caractère et beaucoup de kick, si vous voyez. Donc, c'est des instruments qui ont du volume, mais j'essaye de combiner les guitares folk et les guitares archtop pour avoir vraiment une richesse et des basses. Et du sustain pour avoir, je crois, un instrument qui a le meilleur de tous les mondes. Vous vous situez dans quelle région ? Je me trouve pas loin de Bruxelles, en Belgique. Ok, d'accord. Ouais. Vous avez un site sur lequel on peut vous... Le site est toujours en cours de construction, mais je suis présent sur tous les réseaux comme Instagram, okay. Facebook, tout ça. Donc ouais. On tape votre nom et... Oui, exactement, Malcolm Rosado, comme c'est écrit ici, et alors, vous allez trouver. Je vois sur votre guitare qu'il y a plusieurs ouïes, il y en a une oui. Sur le haut. Une... Oui, ça c'est un moniteur acoustique basé sur les idées d'un luthier... De base, je suis canadien, un luthier que j'ai rencontré quand j'étais jeune à Toronto, qui s'appelle Grit Laskin. Ses idées m'ont beaucoup impressionné, comme ce chanfrein et aussi une idée qui, pour le confort, surtout avec une très grande guitare comme celle-ci, ça avantageux. Si on veut faire des jams acoustiques pendant des heures et des heures, ça aide vraiment pour les tendons. Mais donc, le moniteur ici permet de projeter du son vers le ou la musicien. Donc, l'archtop projette beaucoup de son vers le spectateur et ça permet d'avoir un retour comme des wedges sur scène, mais en acoustique. Vous avez des musiciens connus qui jouent sur vos instruments ? Des musiciens connus, il y a un musicien bruxellois qui s'appelle Alex Van Havre, okay. Qui est probablement le plus connu, qui tourne, qui a plusieurs projets. Mais à part ça, c'est des amateurs de la guitare, des gens qui apprécient vraiment avoir des résonances, donc des collectionneurs, des professionnels, voilà. Est-ce que je vois le manche est vissé, collé ? Oui, le manche est vissé. Il pivote sur un point ici et ça permet d'ajuster l'action des cordes. Ok. Donc, je peux vous montrer en fait. Donc ça monte et ça descend quoi ? Ça pivote vers l'arrière ou l'avant. Je peux vous montrer sur celui-ci. Celui-ci, c'est le même principe, sauf qu'il a un pan coupé pour accéder aux aigus. Oui. Mais on débloque le mécanisme avec cette vis-ci, débloque, et puis je tourne la vis, elle descend, le talon descend, et tout le mécanisme pivote. Je vous montrer. Voilà. Et on est parti sur une action extrêmement basse, si on veut. Comme sur une guitare électrique, quoi. Et puis, si on veut... dévisser là et recommencer à faire du jazz manouche et vraiment avoir la main lourde. On repart et
sans buzz, avec une action très haute. Et on peut rebloquer. Ok, bah je vous remercie beaucoup. Bah, merci d'être passé. Je vous souhaite un bon salon. Merci. Merci. Bonne visite. Au revoir. Hein. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter, Chiche? Oui, bonjour. De Jardin Guitare, donc Guillaume Séguilet de chez De Jardin Guitare. Je suis belge, je viens de l'est du pays, donc, dans la province de Liège. Ok, d'accord. Voilà, donc je suis luthier en Belgique depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je fabrique des guitares électriques, acoustiques, aussi des guitares type hollow body ou semi-hollow body. Voilà, c'est là-dedans que je me spécialise un petit peu. Voilà, vous pouvez voir des modèles. Vous pouvez montrer les spécificités d'une voilà. la plus connue ou la plus. Voilà, ici, ça c'est le dernier modèle. Voilà. C'est une semi-hollow body, donc il y a quand même un bloc central ici. Ouais. Elle est néanmoins vide sous les micros. C'est des P90 donc, voilà, ce sont des P90. Ouais. Le corps est en aule et les finitions bois sont en noyer. De même que le manche. Le manche et la touche vernis. Voilà, j'aime bien les finitions chrome, les belles peintures, les beaux bois. Voilà, c'est ça, avec un Bixby dans ce cas-ci. Vous fabriquez combien de guitares à peu près par an? Alors par an, j'ai pas une grosse production, j'ai 10-12 guitares par an. 10-12 guitares par an? Ouais, c'est ça, maximum. Je fais aussi en parallèle les entretiens et les réparations. C'est ça que je divise mon travail en deux, ces deux secteurs-là. Quoi. Ok, donc les réparations rapportent assez d'argent pour... Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. L'idée, c'est d'offrir un service. Je vis, on va dire, en milieu rural. Ouais. Et bon, il n'y a pas beaucoup de magasins ou de personnes qui peuvent répondre aux besoins des musiciens. Donc, voilà, j'ai une place en tant que. Pour faire la maintenance de tous ces instruments-là. Il y a des musiciens connus qui jouent sur vos instruments? Stéphane Giry, les Chilean Brothers, un groupe britannique. Ils ont joué avec Joe Bonamassa, la croisière Bonamassa ici au mois d'août. Voilà, ça c'est le genre de musicien qui joue. C'est du jazz Non, c'est du blues. Blues? Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. C'est très typé blues. Ou sinon d'autres artistes connus en Belgique et qui ont été connus via quelques titres, même dans le monde entier. Konoba, c'est plutôt pop électro. Ouais. Voilà, lui joue aussi sur une De Jardin. Et bien d'autres musiciens qui sont musiciens professionnels mais qui sont un peu moins connus du grand public. Quoi. Sideman qui. Voilà. On peut le retrouver sur un site ou internet? Bien sûr, oui. Sur internet, dejardinguitare.be. Okay. Pour le site internet, ou sinon le plus facile c'est encore. Il n'est pas souvent mis à jour le site internet. Donc le plus simple c'est encore pour voir les actualités, c'est les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook à De Jardin Guitare. Voilà. Ok, au singulier. Voilà, au singulier en français. Bah, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de salon. Ah ouais, bah, merci aussi. Au plaisir. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter, Chichement? Oui, alors Chichement, je m'appelle Hervé Bérardet. C'est l'atelier guitare et création. Et je fabrique des guitares de l'acoustique à l'électrique et notamment une guitare modulaire qui s'appelle Osiris. Et qui est voilà, donc modulaire dans le son, modulaire dans l'esthétique et aussi qu'on peut voyager facilement avec et qu'on peut monter en boucher droitier. Gaucher et droitier. Ouais, aussi. Et c'est marqué guitare disruptive. Qu'entendez-vous par là? Alors, disruptive, c'est vraiment pour essayer de changer des codes et de faire autre chose que ce que font les autres. C'est-à-dire des solid body ou des dreadnoughts, des OM, des trucs comme ça. Moi, j'ai un son plutôt blues. Et par exemple, avec une guitare acoustique, avec un barrage. Pour le blues et puis avec la guitare disruptive aussi qui est la guitare Osiris qui est modulaire. Voilà. Vous pouvez nous la présenter un petit peu? Ouais.
Donc c'est tout ah bah c'est parti. Alors c'est laquelle? Hop, on pourrait présenter celle-là. Ça, voilà, donc ça c'était la première guitare Osiris modulaire. Donc elle est en quatre parties et en fait on peut changer le manche, les parties latérales ou pouvoir changer la partie centrale pour changer de sonorité. Voilà. Ce que je vois, toute l'électronique elle est sur le... Voilà, parce que comme ça, ça permet de d'être libre dans, pour jouer par exemple. Okay. Et puis au niveau des branchements, tout est recentré sur la partie centrale et les contacts, parce que comme on peut le voir, hop, la partie latérale elle s'enlève. Ok, d'accord. Au niveau des micros, qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors les micros, ce sont des micros qui ont été bobinés main à Bordeaux, ouais, par Maze Instruments. Et mais on élargit un petit peu avec Dreamsong Pickup pour les filters Tron par exemple, et avec CK Pickup pour on va faire une guitare plutôt Malcolm Young et aussi pour du métal. Alors, là c'est un manche collé, c'est ça? Non, il est vissé. Il est vissé. Il y a une vis ici. Parce que avec ce type de structure, on aurait pu faire un manche transversant? Non, enfin oui, on aurait pu. Mais l'idée c'est de pouvoir voyager facilement avec. C'est de pouvoir le mettre dans un bagage type cabine avion. Ah. Donc le manche de celui d'Arise, je vous mettre. Ah d'accord, ouais. Ah ok. Hop. Par exemple, hop, voilà, on peut avoir, hop. Donc là, on a effectivement la partie centrale, ouais, et puis le manche qui vient se mettre ici, et après, on va visser le manche. Donc c'est un manche vissé. Ah, on peut tout démonter, donc. Okay. Voilà. Et il y a un étui thermomoulé aussi? Non, il y a un étui hop, dans ce style. Et voilà, ça c'est le bagage cabine avion. Ok, d'accord, cool. Voilà. Et donc, une grosse partie des compagnies, le bagage qu'on met au-dessus de, ouais, des sièges. Et voilà, puis en plus, moi c'est un sac à dos. Et ça c'est fait par Luxbag, qui est c'est aussi un artisan français. Est-ce que vous avez un site sur lequel on peut vous retrouver? Oui, guitarecréation.fr. Guitare et création au pluriel? Singulier, ouais. Guitare et création, les deux au singulier? Ouais, tout en singulier. Ok, d'accord. C'est la création de guitare et récréation, on peut faire plein de choses. Ok, d'accord. Et vous êtes dans quelle région? Bordeaux. Ok, bah, je vous remercie. Merci, bon, au revoir. Bonne partie. Cabine avion. Le prix d'innovation est remis par un jury de professionnels. Alors, physiquement, si vous cherchez où est-ce qu'on est, on se retrouve devant le stand de chez Pipe et devant le stand Two Note. Autrement dit, quasiment au milieu, en allant vers la sortie. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par le prix d'innovation, qui est un prix essentiel parce qu'il est remis par un jury professionnel. Et là, il y a un président, bien sûr, quand il y a une commission professionnelle, il y a un président pour cela. Et le président est le journaliste et producteur Max Robin, auquel je cède le micro, va nous présenter à la fois le jury et puis vous révéler qui est le lauréat de prix d'innovation 2024. Max Robin. Merci Jean-Michel d'avoir confié cette fonction. Donc j'ai l'honneur de siéger dans ce jury avec mon confrère ici présent, donc, Michel Auron, guitariste Pierre-Pélémy de Pousse, Pierre Jonel de la chaîne Guitare, Eric Gambard, autre guitariste célèbre, et Samuel Strouk qui s'excuse de ne pas tenir en excuse de la navigation juste après. Nous avons donc discuté de cette édition du salon, très enrichissant d'habitude. Et nous saluons tous les métiers et les fabricants qui avaient postulé pour ce prix d'innovation. Et je dois dire que c'est quasiment à l'unanimité que le choix s'est porté sur le métier à qui on décerne le prix. Il s'agit donc de Malcolm Rosado pour une guitare Rosado. Voilà. On a vraiment été emballé par son travail pour plusieurs raisons. Alors, je le détaille juste un petit peu. Voilà, on explique un petit peu les raisons qui nous ont conduit à le féliciter et à lui décerner ce prix. D'une part, la qualité de son travail.
au plan d'innovation, ce qui était intéressant, c'était bien entendu les concepts qu'il a su développer, notamment le concept de son manche réglable, qu'on a trouvé vraiment très intéressant, son concept de chevalet aussi, qu'on a trouvé aussi très intéressant. Globalement, on a trouvé sa vitrine de grande qualité, et puis on a aussi salué le fait que pour des guitares archtop, il arrivait à, du point de vue de la sonorité là, cette fois, il arrivait à parvenir à dégager des sonorités tout à fait intéressantes et assez rares, disons, pour ce type d'instrument, des registres de fréquence qu'on rencontre pas très souvent. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons, on a été emballé par son travail et on lui a décidé de faire des Je repasse le micro donc à Jean-Michel Pousse. Voilà, bravo, ça fait plaisir. D'autant, je crois que c'est la toute première fois. Hein. Alors, je te laisse t'exprimer. Merci beaucoup pour l'accueil de tous les autres métiers que, auparavant, la plupart je connaissais comme des noms sur Instagram. Et maintenant, je vois que c'est vraiment des êtres humains et des êtres humains exceptionnels, je tiens à dire. C'est vraiment une communauté très accueillante et magnifique, avec tout plein d'idées à partager. Et donc j'aimerais juste vous remercier pour l'accueil et vous dire bon fin de salon. Merci. Et maintenant nous allons remettre le prix de la plus belle guitare. C'est le public qui a voté, il y avait un QR code qui se baladait, il y a évidemment, vous avez été interviewé par des bénévoles sur une tablette pour savoir pour laquelle guitare vous votiez, la plus belle guitare, celle qui vous fait rêver, celle que vous avez envie d'emmener à la maison. Alors, les trois plus nommés sont, je vous donne les trois et je vous révélerai seulement après la lauréate. Les trois plus nommés sont la Féline de Berg, la danseuse de chez Marine Guitare et la Willy de chez Toxic. Voilà, ce sont pour le public présent ici les trois phénomènes. And the winner is, et la gagnante est la Féline de Berg. Alors ce qui serait formidable, si vous entendez, venez avec la guitare pour que tout le monde puisse la voir et qu'on puisse la photographier. Ah voilà, il a la Féline de Berg. La voilà qui arrive. Ah, on peut l'applaudir, bravo. Voilà pour le public, la plus belle guitare. Je cède le micro. Qui veut nous parler de cette guitare? On te prend la guitare. Hop. Bah, merci déjà. Merci à tous ceux qui ont voté pour cette guitare. Bah, c'est une création, comme vous voyez, assez minimaliste, des grosses influences rétro, et puis des valeurs ajoutées écologiques, on va dire. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez passer sur stand ou aller sur notre site directement. On a écrit plein de choses, ça peut durer des heures. Merci. Jonathan Berg et son trophée. Il n'y a pas l'ombre d'un problème. Bonjour, c'est pour Chichtv. Salut. Tu peux te présenter Chichtv? Alors Chichtv, je m'appelle Jonathan Berg, je suis donc le luthier qui fabrique les guitares Berg. Et on est venu avec nos modèles et plein de belles choses. Et tu viens de gagner un prix là au salon? Ah bah, je viens juste de remporter le prix de la belle guitare 2024, donc je suis assez content. Enfin, je viens de gagner, mon modèle Féline vient de gagner le prix de la guitare la plus belle du salon, donc je suis pas peu fier. Elle est juste ici, donc voilà, elle est encore à l'essai. C'est une guitare qui est assez sobre, avec des courbes 50s qui mêlent aussi un petit peu l'art déco, avec des codes voilà, vintage et une esthétique minimaliste élégante. Voilà. Elle est assez fine, est-ce qu'elle est légère? Elle est très légère, c'est des modèles qui font 2,5 kg en fonction des micros qu'on embarque dessus. C'est des instruments qui sont faits avec des corps en épicéa de quartier.
des manches en érable et puis des touches en noyer. Tous ces bois sont torréfiés avant d'être utilisés. Et ensuite, j'essaie d'utiliser un maximum d'éléments qui soient les plus écologiques possibles. Ça passe des finitions qui sont faites avec des peintures naturelles, de la gomme lac, avec des petites gardes aussi qui sont faites à base de lin. Essayer de proscrire au maximum la pétrochimie. Et puis en termes d'équipement, on a des micros de chez Epcat qui est juste à côté là. Ouais. Et avec qui je travaille pour même sur de la restauration de guitares vintage. Et on a appris à bosser ensemble et c'était très logique qu'il équipe toutes mes guitares. Au niveau production, tu produis environ combien d'instruments par an? Voilà, aujourd'hui en fait on fait notre première année. Berg, c'est une marque qui est jeune. Moi ça fait 18 ans que je fabrique. Mais le projet Berg a un an officiellement aujourd'hui. Et on a fait sur la première année un peu plus de 25 guitares. 25 guitares. Ce qui est un peu au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés pour une première année, donc c'est super. Et puis on espère en faire un peu plus, mais c'est déjà un super début. Ok. Tu dis on, ça veut dire que vous êtes plusieurs dans l'atelier? Quand je dis on, en fait, je suis le seul luthier. C'est moi qui fabrique. Par contre, on est une équipe et c'est super bien sur d'autres parties du boulot qui sont importantes. J'ai Bruno, mon associé, qui lui s'occupe de la partie gestion, on va dire, comptabilité, tout ce pan-là. On a Yann Vandrelli qui lui communique beaucoup sur les réseaux, fait vivre un peu la marque sur les réseaux. Et puis on a Pierre qui est absent aujourd'hui, mais qui lui est quelqu'un qui a beaucoup de. Avec qui on a beaucoup de. Qui lui travaille sur l'identité de ce qu'on fait et qui a une vision qui clarifie notre message. Je suis tu dans quelle région? Je suis à Pontoise, donc c'est Val d'Oise, Serge Pontoise. Et vous avez un site sur internet sur lequel on peut vous trouver ou un réseau? Alors ouais, vous nous trouvez sur berg-guitare. Au pluriel? Au pluriel, ouais. Berguitar.com. Ok, d'accord. Et là, vous trouvez un maximum d'infos et on a écrit un maximum d'infos sur la marque et les codes qu'on essaie d'inscrire dans nos guitares. Bah, je vous remercie. Puis, merci à vous. Bonne fin de salon et puis félicitations encore. Merci beaucoup.